Africains, africaines, bonjour. Ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 juin 2023 et j'aimerais vous entretenir relativement à quelque chose que j'ai vu passer sur la toile. Et comme toujours, je dis, je ne suis d'aucun parti politique, je suis juste une citoyenne qui se sent concernée par ce qui se passe dans son pays, même si elle n'y vit pas, simplement parce que c'est son pays. Avant de continuer, je vais chanter une courte chanson que vous connaissez. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Et donc, voilà pourquoi j'ai changé là. Notre Côte d'Ivoire, nos aïeux, nous allons faire ci, nous allons faire ça. J'ai vu passer un extrait de vidéo qui met en scène M. Brindoumi, qui est du PDCI-EDA, qui a dit des choses qui m'ont un peu... Un exemple. Écoutez. On a fait des négociations pour les législatives. Un exemple emblématique où il s'agissait le secrétaire du temps en chef du Kahué était dans une situation difficile. Et on voulait absolument préserver son poste de député. Le PPACI a positionné une candidature là-bas. C'est le EDS en son temps. C'était EDS. Mais on a dit on ne peut pas sacrifier à ça. On peut s'entendre ailleurs, sauf voir notre secrétaire exécutif ne pas être candidat chez lui. C'est inconcevable. On ne s'est pas entendu. On est parti, résultat, on a eu notre secrétaire du triomphant. C'est-à-dire que nous savons défendre les intérêts de nos partis. Si on arrive à des situations où quelqu'un de symbolique, de valeureux, de vaillant, endroit, nous voyons les chances venir. S'ils ne veulent pas, chacun tentera sa chance. Là, c'est clair. Ça, c'est la position du président Ali Konan Bédié. Je vous le dis. Moi, j'ai dit cela avec lui samedi. Mais on continue de négocier pour nous donner la force. Si on se met à deux qu'on peut gagner plus aisément, d'accord. Mais si on arrive à Yopougon, il y avait 6 postes. Ils ont dit non. Comme c'est... D'abord, nous, on avait demandé 3-3. Et puis ils ont dit non, c'est notre fief. On va leur donc, on leur a fait la passe en leur donnant 4. On a sacrifié 1. Ils voulaient même 4 sur les 6, ils voulaient 5 sur 6. Et celui qu'on devait enlever, c'est Diaoufoué. Moi, je ne le connaissais pas. On dit non, Madame Euphrasie est déléguée, donc elle s'en prend. Moi, je ne te connaissais pas. J'ai dit, mais ce nom-là me signifie Diaoufoué là. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Je me rends compte qu'un jeune, j'ai dit, mais on va enlever, on a défendu un nom emblématique du Kahué. On va défendre notre emblématique Oufoué. C'est comme ça que tout le monde a adhéré et Diaoufoué est venu. Aujourd'hui, Diaoufoué, c'est une figure emblématique du PDCI-RDA. Donc, nous, on ne peut pas sacrifier des figures emblématiques de nos partis au détriment de qui que ce soit. On négocie, mais on négocie avec des bases. Donc ça, c'est des choses, il faut que les militants soient sereins. Le président Henri Konan Bédié que j'ai vu samedi, il est lucide, en bonne santé, et il préserve les intérêts du parti plus que quiconque. Le président n'est pas là pour se sacrifier pour tout le monde. Ok. Vous pouvez, au besoin, vous pouvez réécouter ce qu'il a dit. Moi, je viens m'adresser ce matin au président Gbagbo et au président Bédié. Pour ça, là, j'ai mis le pagne papa conseiller.
pour envoyer un message en tant que votre fille, en tant qu'une personne qui a la possibilité de faire des vidéos. Sinon, tout le monde est sur Internet, mais tout le monde n'est pas à l'aise pour ce genre de choses. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'aiment pas leur pays. Ce que moi, je retiens de ce que je viens d'entendre là, il faut que le président Bédié et le président Gbagbo, vous preniez vos responsabilités vis-à-vis de l'histoire. C'est votre responsabilité aujourd'hui de nous rendre la Côte d'Ivoire qui vous avait été donnée par la génération avant vous. Vous devez nous rendre la Côte d'Ivoire là, avant que vous ne rejoigniez nos ancêtres, le plus loin possible. Il faut que vous soyez là pour voir comment la Côte d'Ivoire que vous nous avez donnée, comment est-ce que nous, on a fait notre part. Voyez un peu, et puis après vous allez partir. Vous êtes ensemble dans une coalition, dans un objectif, je suppose, de nous rendre le pays. Vous avez joué avec ce pays-là. Chacun de vous a joué, a essayé de ruser à un moment donné. Ça n'a pas donné résultat. Vous n'allez pas continuer encore à ruser là. Oui, réfléchissez bien. Dans cette alliance-là, qui donne l'impression d'être un truc où chacun veut essayer de tirer la couverture sur lui. Non, non, non. Mettez la Côte d'Ivoire en avant. Un peut accepter de perdre un bras, il va gagner une jambe. Un peut accepter de perdre un orteil, il va gagner un doigt. On ne peut pas gagner à 100% dans ça-là. Vous avez la responsabilité devant l'histoire de nous rendre le pays qui vous avait été donné par le président Félix Foubagné. Vous avez fait vos deals, vous avez fait vos alliances, danser le tango, aller à gauche, aller à droite. Si vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous nous devez ce pays-là, continuez à jouer au chat et à la souris, à jouer à cache-cache. Nous, on est là, on vous regarde. On attend que vous posiez des actes concrets pour nous rendre ce pays-là. Il y a des noms emblématiques, selon ce qu'il a dit. Oui. Mais il faut que vous soyez, que vous alliez plus loin que ça, là. Il semble qu'on veut que Michel Gbagbo soit à Yopougon. Est-ce que vous avez bien réfléchi au niveau du PPACI? Est-ce que c'est la personne vraiment qu'il faut? On veut que ce soit Diaoufoué qui soit au PDCI, pour le PDCI. Est-ce que vous avez bien réfléchi? C'est vraiment la bonne personne? Ensuite, il y a des endroits qui sont symboliques. Essayez de voir tout ça, s'il vous plaît. Et pendant que vous êtes en train de faire des négociations, est-ce que c'est bon de venir dire certaines choses sur la place publique? Parce que vous avez des adversaires qui vont essayer de rentrer dans toutes les failles que vous allez présenter. Est-ce que c'était une bonne idée de sortir comme ça? Si on pose des questions, on peut les esquiver pour essayer de préserver ce qu'on est en train de faire là. Nous, on vous regarde. Hein? Le PPACI, là, on vous regarde. Président Gbagbo, on vous regarde. Au moment de la désobéissance civile, on a vu que vous aviez un jeu très bizarre qu'on n'a pas compris. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. Vous n'allez pas venir remettre ça encore sur la table. On vous fait confiance. On vous regarde. C'est vous qui allez nous rendre le pays là. C'est vous qui allez nous rendre ce pays là. Vous avez une responsabilité devant l'histoire parce que vous avez joué avec ce pays. Alors, on attend de vous des actions qui vont nous mener vers la récupération de notre pays. Pas peut-être totalement, mais on va recevoir une partie. Alors, entendez-vous, s'il vous plaît. Pas dans Tourloupe. Vous êtes assez grand, mais nous, on a grandi aussi et on a dépassé les 50 ans. On vous regarde. Il n'y a pas un qui va croire qu'il est plus intelligent que l'autre dans ça, là. Parce qu'il y a une démarche de crabe qui ne dit pas son nom, là. C'est trop bizarre. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas raison
à l'adversaire. Moi, je ne parle pas d'ennemi. Je ne parle pas d'ennemi. Parce qu'on est tous des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, c'est notre bien à nous tous. On est des adversaires, on n'est pas des ennemis. On n'est pas des gens violents. On ne voit pas les ennemis partout. Non. Alors, s'il vous plaît, moi, je m'adresse à vous deux. Président Gbagbo, président Bédié, s'il vous plaît, accordez vos violons dans le secret. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions qu'on est dans une conférence de presse. Je ne suis pas plus intelligente que vous. Mais nous qui sommes de l'autre côté, on voit et on interprète. Et on est dans l'expectative. On vous regarde. Rendez-nous le pays là. C'est ce qu'on attend de vous. Rendez-nous la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend de vous. Merci.